très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis super contente de vous reprendre aujourd'hui. Alors on vous prend en après-midi parce qu'aujourd'hui on a un peu galéré à charger, enfin à retrouver des trucs dans notre garage en fait. Je vous explique ce qui va se passer aujourd'hui pour nous que vous verrez pas forcément. Ah d'ailleurs, rien à voir, je suis retombée là-dessus que j'ai acheté il y a quelques semaines maintenant chez Auchan de souvenirs, c'est ça. On est tombé là-dessus dans le rayon, c'est un calendrier de l'Avent avec des petits bonbons pour les chiens. J'en ai pris un pour Maya, hein, pour Skinner bien sûr. Donc on en a pris deux, c'est pour les petits chiens, hein. Vous voyez que c'est des tout petits trucs. Et c'est trop mimi. Qu'est-ce qu'on a galéré à faire aujourd'hui du coup et qu'est-ce qu'on va faire? En fait je sais pas si vous vous rappelez mais il y a 3 semaines, 1 mois, on vous a parlé que quelqu'un de ma famille avait repris une discothèque et il y a certains points sur lesquels il s'y connaît pas forcément, donc on lui a donné des conseils et on lui a dit qu'on allait l'aider à organiser une première soirée style années 80 etc, parce qu'on connaît un DJ et compagnie. Donc on a tout géré, Alex a fait un flyers, on a booké le DJ et aujourd'hui on doit aller installer les platines là-bas et en tout cas rester là en début de soirée pour voir que tout se passe bien, accueillir le DJ qu'on connaît etc. Donc c'est notre programme du jour. Mila pendant ce temps-là va aller chez mamie parce que mamie habite pas très loin de cette boîte et on a galéré parce qu'en fait nos platines, vous savez que de base moi je suis DJ, Alex pareil, mais nos platines elles sont enfermées depuis je sais pas un an et demi mis dans le garage, dans les placards, sauf qu'il y avait tous nos meubles de salon etc en face des placards, donc ça a été une grosse galère. Il a fallu quasiment tout sortir du garage pour trouver pour pouvoir sortir les platines et tout charger dans le Vito d'Alex. Voilà un petit peu la galère, voilà, je voulais juste vous expliquer ça. Et du reste, bah, ça va être une journée un petit peu tranquille, il fait super bon aujourd'hui. Bon, les routes sont un peu bloquées chez nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui manifestent par rapport à la hausse du carburant. J'ai pas trop suivi, vous allez dire la meuf elle y connaît rien, j'ai pas trop suivi tout ça. Bon, à part ça je voulais vous montrer où en est Alex avec le carrelage, donc c'est un peu, enfin ça fait un peu dégueu comme ça parce que c'est pas fini, ça ressemble pas à grand chose, il a pas terminé, je pense qu'il va finir demain quand il aura un peu de temps, mais voilà, vous voyez c'est grave plus brillant que notre marbre d'origine, parce que c'est un espèce de marbre, mais ça rattrape quand même le coup. Skinner, tu marches pas dessus, ça m'arrangerait. Ça rattrape quand même le coup, je trouve que ça se voit pas trop, il doit seulement faire les joints etc, mais quand tout sera nettoyé franchement je trouve que ça c'est quand même assez semblable et qu'on a bien rattrapé le coup avec ça. Et de toute façon, comme je le dis toujours, dans mon salon, moi je mets des tapis partout. J'aime trop voilà, que ce soit un peu douillé avec des tapis et du coup, il y aura sans doute un tapis qui va encore cacher une partie. Donc voilà, c'est toujours mieux. Avant, en dessous du tapis qu'on avait avant, c'était un espèce de béton un peu plus haut. C'était un peu ce concept-là, donc c'était un peu pourri. Donc voilà, je voulais juste vous montrer cette petite avancée dans le salon. Et ici, bah, ça continue. Alex, il a presque fini de tout peindre. Il lui reste à finir ça là derrière, enfin la peinture de tout ça, et ce sera terminé et ça va être super joli aussi comme petit coin. À part sa vie là, ça va un peu mieux. Ton rhume, ça va mieux quand même. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais quand même prendre les médicaments pour aller chez mamie. On ne sait jamais, on ne sait jamais. J'ai pris ma licorne pour y aller chez mamie. Ta licorne ? Oui, et pour dormir avec mamie. Oui, parce que Mila va faire son début de nuit, voire toute la nuit chez mamie. Je la récupérerai du coup demain matin, voilà, étant donné que je sais pas à quelle heure... Je vais faire deux nuits. Non, une nuit, mon cœur. Étant donné que je sais pas à quelle heure ça va se finir, moi, je vais pas faire toute la nuit, je suis enceinte de 6 mois, clairement. Je pense que je vais rester jusque minuit, 1 heure, vraiment, je vais faire tout le début de soirée, voir que tout se passe bien. À part ça, je suis trop contente, j'ai reçu mon pouf commandé il y a une bonne semaine, je devais le recevoir en 15 jours ou quoi, et je l'ai déjà reçu, je suis trop contente. C'est le pouf qui va avec le tapis que j'ai acheté pour mon salon. Donc en fait, j'ai acheté un tapis qui est un peu dans le même esprit pour mettre dans le salon, un grand tapis. Vous verrez ça installé prochainement dans le salon, ce sera beaucoup mieux. Mais vous voyez, c'est un gros pouf carré. Ça, c'est celui que je vous ai montré il y a quelques jours. Alors, vous avez été hyper nombreux à me parler de ça, c'est pour ça que je vous le remontre aussi. Je l'ai commandé sur Amazon, celui-ci. Je l'ai payé
un peu plus de 100 € avec la livraison comprise, il me semble. Et c'est normalement à taille adulte, mais il faut savoir qu'il n'est pas énorme. Après, moi, je sais me mettre dedans, mais je l'ai commandé pour Mila, donc pour un enfant, c'est parfait. Pour un adulte, c'est peut-être un peu limite. Faut pas être super grand. En tout cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que pour le coup, vous avez été nombreux à me demander le lien. Et je vous mettrai celui-là si ça vous intéresse. Mais je pense que vous verrez mieux tout ça dans le room tour ou même quand je vais commencer à faire la déco. Je ferai ça sûrement avec vous en vidéo Et voilà, je voulais vous les montrer, je suis trop contente. Ils sont énormes les deux en fait quand je les regarde comme ça dans ma chambre. Mais ça va le faire, ça va être très joli. Mamie! Mamie! Il a peur du saucisson qu'il est en train de manger. Il mange du saucisson? Mon amour! Oh, quel autant, ma chérie! Tu vas bien? Ce chien est fou! Ce chien est fou! Bon, les amis, nous y voici, nous y voilà. Alex est aux commandes pour le moment, c'est bien sûr pas ouvert. Il fait le con. Et c'est comme ça à l'intérieur, je fais un peu la mise en place des tables, bien alignées et compagnie. Je donne un coup de main quoi ce soir. J'ai pas travaillé en boîte depuis tellement d'années comme ça. Ça me fait bizarre.